Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you, I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle. I think we've seen it all. Just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle. It's unconditional. Just make the call, and I'll be all. Il y a une petite mise à jour sur ma tank d'eau usée noire. Après alterner soleil puis, fait que j'alterne coque intérieur du bateau, coque intérieur du bateau. J'ai réussi à la faire tenir en place après l'avoir rentrée puis ressortie environ 10 fois. J'ai réussi à faire la braquette qu'il me fallait pour la faire tenir là puis la mettre plus ou moins au niveau. Le bateau noué, il jette tout le temps d'un bord puis de l'autre. Mais c'était le challenge, c'était de la faire rentrer là pour pas qu'elle dépasse. Je vais vous montrer ça. C'est important que quand je vais la porte devant, que la porte va pouvoir fermer. J'ai demandé à Marie si elle voulait encore une porte pour cacher la tank. Parce que vu qu'elle était un petit peu plus grosse que, elle m'a dit confirmer que oui, qu'elle voulait une porte devant la tank pour la cacher. Fait que j'ai pas eu le choix de m'ajuster puis de faire que la porte ferme. La valve ici en arrière, là, ça c'est en bas, ça va être la valve pour mon macérateur. À place de mettre un Y, un qui s'en va pour le pump-out, un qui s'en va au macérateur, je vais juste avoir une valve qui va aller directement au macérateur. Moins de chances de quelque chose qui coule, plus simple, plus droit, et la valve est directement sur la tank. Fait qu'il n'y a pas de petite hose entre les deux. Fait que garde ça le plus simple possible pour avoir le même problème. Puis pour le pump-out, ben ça va être celle du haut qui va servir pour le pump-out. Ici, qui va raccorder là. Je suis pas sûr encore que je vais trouver le nose qui va se plier assez pour raccorder là. Mais au pire aller, je vais le faire en PVC. Et des unions en PVC que je peux utiliser pour faire ça. Ça devrait pas être trouble. Là, l'autre chose que j'ai besoin, c'est des bolts. Ça, parce que les bolts qui sont à l'avant sont plus assez longues. Vu que j'ai été obligé de faire un chêne de 5-8, il faut que je rallonge mes bolts. C'est sûr que l'eau même, j'en ai pas. Il y a un magasin, un hardware store en face. Je vais aller voir s'il y en a pas. Puis en même temps, il y a un Farmer's Market le vendredi à partir de 3h. Je vais aller voir ça parce qu'il me reste plus de produits frais. Fait que je vais aller voir, je peux pas me trouver quelque chose à mettre dans mes wraps autrement juste que du thon. Fait qu'on va aller voir ça, qu'est-ce que ça a de l'air. Puis je vous apporte avec nous autres parce que je vais vous montrer, voir ce qu'il y a de l'air le Farmer's Market ici. Alors, j'arrive au Farmer's Market. J'étais allé au Hardware Store en face. J'ai réussi à me trouver des bottes plus longues que j'avais besoin. Puis en stainless en plus. Fait que ça, ce bout-là, ça a fait ma journée. Il n'y avait pas ce que je voulais. Je cherchais quoi, de la salade, des pitons, mais écoute, il y avait des cocombes, un peu de kale, il y avait du chou-fleur, mais il y avait du sirop d'érable et du vin. Ça, c'est ce qui est le plus intéressant, c'était le sirop d'érable. Mais j'en ai à bord du bateau, puis comme cela, ça me prend tout mon petit change pour pas. Pour vider notre réserve de sirop d'érable, fait que je vais regarder ça plus tard. Là, je m'en vais voyer, je vais aller voir si les bottes que j'ai achetées vont fitter. Qui sont beaucoup trop longues, mais au moins, je peux couper. J'avais le choix du 3 pouces ou du 4 pouces. Ça me prenait 3 pouces et demi. C'est sûr qu'il n'y avait pas ça. Les autres, pour le haut, ça laisse toujours 3 pouces. Avec ça, je devrais pouvoir m'avancer un petit peu plus. Ça fonctionne. Les bottes sont juste assez longues. Parfait. Fait que Star risque d'aller changer une botte parce qu'elle a été mélangée. C'est du fil fin. Fait qu'il va falloir que j'y retourne. Je vais checker l'heure parce que ça ferme à 5 heures. Oui, on est jeudi, vendredi, mais ça ferme à 5 heures quand même. Je pense qu'on va abandonner le projet encore.
c'est fermé. Ça ferme dans 2 minutes. Je n'aurai pas le temps de me rendre là. Je vais y retourner demain. Puis, je changerai mes bowls demain. C'est tout coudon. J'ai décidé d'installer. Je vais faire un petit projet. Je me dis, ça ne devrait pas être trop compliqué. Je vais changer la fan qu'on a. La fan solaire. Nous, ce qu'on a, je pense, c'est une 3 pouces. C'est une 3 pouces. J'ai acheté une 4 pouces. Je me suis dit, ça va pas être trop long à installer. Ça serait fait. Ça va me libérer de l'espace aussi, puisque je traîne une boîte de cette pièce-là. Fait que je pense que je vais essayer. Si c'est pas long, tant mieux. Si c'est plus long que je pensais, comme ça arrive tout le temps, ben, c'est pas grave non plus. On va faire ce qu'il y a à faire. On va driller le trou plus grand. Puis on va installer ça. Puis après ça, on ira à la quincaillerie. Échanger notre boat. Puis nous, anyway, j'en ai besoin d'autres. On va commencer. J'ai commencé à dévisser la vieille. Juste un trim, un ring à l'intérieur. Dans le fond, je la change parce que la batterie est finie. Ça change, mais le petit moteur il est super bruyant aussi. Puis le petit plexiglas par-dessus le petit panneau solaire, ben, il est tout décoloré. Celle que je pensais. Tu sais, ils ont juste mis de silicone, ils ont pas mis de gasquette. Puis moi, ben j'ai un gasquette dans mon kit, mais ils recommandent aussi de mettre silicone en plus. On va gratter ça. C'est ça qui est le moins le fun, c'est le nettoyage. Mais c'est la partie la plus importante pour éviter les fuites d'eau. Je vous ai évité tout le drillage, le nettoyage, puis le grindage pour agrandir le trou. Vu que j'avais pas d'eau ça, j'ai tracé mon contour, j'ai drillé à peu près 50 trous, tout le tour. Après ça, j'ai pris une petite scie, puis j'ai reparsé dans mes trous, puis j'ai refait mon tour. Puis après ça, ben, j'ai arrondi mon trou pour le mettre plus égaux. Puis là, j'ai fini de nettoyer, enlever le silicone. Ça a donné un très bon résultat, je suis surpris pareil. Là, il me reste l'intérieur. Il y a un petit, dans le fond, la chambre de bain, c'est une doublure sur le toit, c'est un petit morceau de fibre, il n'est pas trop épais. Fait que lui, il fallait plus faire attention parce que pour pas qu'il craque. Je vais vous montrer les résultats de l'extérieur. Puis là, moi, j'ai mis aussi du tape. Vous allez voir du tape que j'ai mis pour pas que tout ça, ça tombe dans la chambre de bain, pour que la saleté tombe dans la chambre de bain. Puis j'ai passé un petit coup de bailleuse. Ça fait quand même pas pire. Il va me rester juste à mettre, à couper l'intérieur, mettre le silicone, le rentrer là. Mordriller des petits trous, puis là, visser la nouvelle lumière là. Pas la nouvelle lumière, la nouvelle fan. Ça va faire quand même pas pire. Et dans un monde idéal, j'aurais mis de l'époxy dans mon trou pour protéger le corps, pour pas que s'y s'infiltre de l'eau, pour pas que ça l'infiltre entre les parois. J'en ai pas. Il n'y en avait pas avant non plus. Puis ça fait des années qu'il était là, la fan. Puis le corps est super beau, il n'y a pas eu d'infiltration d'eau. Ça va être toute l'importance de mettre le silicone comme il faut. Vous voyez l'endroit ici, là, idéalement qu'on met de l'époxy pour sceller ça comme il faut. Mais je vais mettre silicone. Il y a une autre chose, c'est qu'il y en a un gasket qu'on doit utiliser. Mais on n'est pas vraiment obligé de l'utiliser, mais je peux pas l'utiliser. Oui, le diamant ici, là, ça va pas sceller. Fait que le silicone, ça va être correct. Comme qui était d'origine, ça fait des années qu'il est là, ça n'a jamais coulé. Fait que je vais aller avec cette méthode-là. Ça. Le dernier ici. Bien important, s'il y a des petits cils en dessous des vis, puis c'est sûr qu'il n'en donne pas des spares, fait que faut pas les perdre. Ouais, il faut serrer ça très légèrement. Il va me rester l'intérieur à les faire. Mon trou est coupé, il reste la plaque de finition à installer. C'est-à-dire qu'il faut que je perce les trous pour les vis. Ça. Fermer, ouvrir, il manque le trim ici installé. Le trim de finition. C'est juste à
percer mes trous et à l'installer. Mais le problème encore, c'est que il fit pas ici complètement. Il accote pas. Il manque une distance. Parce qu'il accote dans le fond. Ça veut dire que au flash, je l'enlève un peu de dessus. D'un projet comme ça, la Dremel à se faire aller. Je l'ai coupé. Il est en angle, c'est normal parce que il y a quatre points égales dans le fond. C'est parfait ça. Perfect. Voici la différence entre celle qui était là avant, la 3 pouces, puis la 4 pouces. C'est pas que je voulais absolument une 4 pouces, c'est que c'est celle qui était en spécial. Alors, pourquoi pas, ça pouvait pas nuire. Maintenant c'est fini, ils vont me rester à nettoyer, tout enlever mais la poussière de fibre de verre qui est tombée partout dans la chambre de bain. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? T'as faim? Tu t'es mangé? Pas de suite. On va manger en même temps que le capitaine. Là, on s'en va retourner à mon bac. J'ai décidé d'entailler dans le bois des notches. Là, ça va là. Ils vont me rester celle-là de l'autre côté à faire. Fait qu'une fois que c'est fait, je reperce d'autres trous ici, je me mets les bottes, puis elle va être solide là. Le but, ça va être de reproduire la même chose que ça. Sur ce côté-là, je me suis fait des lignes. On va reproduire ça. Ça fait des belles notches pour empêcher le bac de bouger. Ça fait super bien là. Après, j'ai percé nos trous. Puis elle va être finalement fixée. Je pense que c'est bon en masse pour un bac à caca. Ça va être bien correct. Ok, il me reste juste à percer les trous au travers pour aller le botter dans le garde-robe, puis il va être finalement fixé. Je vais pouvoir finalement mesurer mes hausses. On y arrive!